Au cœur des Caraïbes, entre Cuba et Puerto Rico, deux pays se partagent la deuxième île des Grandes Antilles par la taille, la République d'Haïti et la République dominicaine. Celle-ci compte à elle seule plus de 1800 km de côte. 1492, Christophe Colomb débarque sur une île habitée seulement d'Indiens Taïnos pacifiques. Il baptise l'île Hispaniola. La civilisation Taïno est alors la plus évoluée des Antilles. 50 ans plus tard, malgré une résistance farouche, la présence espagnole a provoqué la disparition quasi totale de la population indienne. Au XVIIe siècle, la France et l'Espagne se disputent âprement l'île qui porte désormais le nom de Saint-Domingue. La France restera longtemps présente dans l'ouest de l'île, la partie haïtienne, et l'Espagne se maintiendra dans l'est. La partie espagnole gagne son indépendance grâce à Juan Pablo Duarte en 1844 et devient la République dominicaine. Après une longue période de dictature, le pays est aujourd'hui une véritable démocratie, avec un Sénat, une Chambre des députés et un président élu pour 4 ans. Grande comme la Suisse, la République dominicaine est sillonnée par 5 chaînes montagneuses, les Cordillères. Elle est dotée d'une variété de paysages étonnantes, compte 1500 km de côte et jouit d'un climat subtropical humide, ce qui favorise la flore et les cultures. La flore, 8000 espèces de plantes et une spécialité, les fleurs rares, exportées dans le monde entier. Les cultures, canne à sucre bien sûr, mais aussi tabac, maïs, cacao, café, fruits tropicaux dont le traitement industriel permet l'exportation sur grande échelle. Autre richesse, l'élevage qui occupe 40% du territoire, mais aussi le sous-sol, or, argent, nickel et fer. Enfin, nouvelle ressource économique importante, le tourisme. Les centaines de kilomètres de plages attirent de plus en plus les visiteurs. Des visiteurs séduits par le climat et les paysages sans doute, mais aussi par la population. 8 millions d'habitants qui ont en commun la religion, catholique, la langue officielle, l'espagnol et la plus grande ville des Caraïbes, Saint-Domingue. 2,5 millions d'habitants, tellement fiers de leur ville qu'ils l'appellent affectueusement « la capitale ». Les avenues tracées au cordeau et les monuments pompeux sont à la hauteur de son statut. Un obélisque, inattendu sous ses latitudes, a été érigé en 1936 à la gloire du dictateur Trujillo qui avait imposé son nom à la ville une trentaine d'années durant. C'est également à cette époque qu'a été construit le Palais National, encore aujourd'hui siège du gouvernement. Au-delà du Malecón, l'avenue magnifique qui borde la ville, Santo Domingo s'ouvre sur la mer des Caraïbes, à l'embouchure du fleuve Ozama. C'est la proximité du fleuve qui a convaincu le frère de Christophe Colomb de débarquer là, il y a 5 siècles, pour ériger la première ville d'Amérique. Ses murs et ses rues en damier serviront de modèle aux autres cités du Nouveau Monde. Et la Calle Las Damas est donc la plus vieille rue pavée du continent. Le quartier colonial a été classé patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. L'Espagne a largement contribué à sa restauration pour fêter ici, en 1992, le 500e anniversaire de ses premiers pas en Amérique. Les mobiles de la conquête espagnole étaient économiques, mais aussi religieux. Les conquistadors ouvraient la voie aux missionnaires de tous ordres. Les jésuites sont arrivés les derniers et une de leurs églises a été transformée en panthéon des gloires nationales. Au XVIe siècle, les Espagnols possèdent un territoire planétaire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Toute l'administration de l'immense domaine américain sera organisée ici, au siège des Maisons Royales, devenu aujourd'hui un musée d'histoire. En tant que centre des institutions coloniales espagnoles, Santo Domingo acquiert une notoriété et une prospérité considérables. Mais l'Espagne va vite s'en désintéresser. D'abord parce que l'or est beaucoup moins abondant que Christophe Colomb ne l'avait prétendu, ensuite parce que d'autres conquêtes se profilent au Pérou et au Mexique. Avec son quartier colonial, Santo Domingo conserve une architecture unique vouée à la gloire de l'Empire et à celle de la religion catholique triomphante.
Lorsqu'on franchit la porte du vieux quartier, Santo Domingo n'a plus rien d'une ville de garnison. Elle perd sa raideur et retrouve ses couleurs. Celle de son drapeau inspiré par la France et celle d'une population métissée à 80%. Et l'ambiance de la ville moderne cherche ses marques entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Sur l'avenue des Amériques, les pays latino-américains témoignent de leur identité culturelle. Leur solidarité n'a jamais été qu'un rêve, aussi insensé que le phare gigantesque élevé à la mémoire de Christophe Colomb et destiné à recueillir sa dépouille. En fait, les restes du célèbre navigateur ont tellement bourlingué entre l'Espagne et les Caraïbes qu'on ne sait plus avec certitude où ils ont échoué. À une trentaine de kilomètres de la capitale, Boca Chica est à l'abri de la houle océanique. Ce petit village de pêcheurs est devenu une station balnéaire réputée pour sa plage de sable immaculée. Le week-end, les habitants de Santo Domingo viennent ici nombreux pour profiter d'une mer protégée par les récifs de corail. L'arrivée des touristes a stimulé l'activité de Boca Chica, qui connaît une animation permanente. La chaude nuit antillaise est propice à la fête, et les Dominicains se laissent facilement emporter par le merengue. Les paysages idylliques de la côte sud-est révèlent le formidable potentiel touristique de la République dominicaine. Mais le fait d'avoir été gâté par la nature n'empêche pas le réalisme économique. Ainsi, le gouvernement favorise les initiatives industrielles et commerciales par des zones franches. Auparavant, la canne à sucre était la seule richesse de la région. La canne à sucre caracole en tête des produits agricoles dominicains. Une main-d'œuvre haïtienne très bon marché, toute proche, et des moyens d'exploitation rustiques permettent aux plantations de l'île de rester compétitives sur le marché international. Une fois coupée, la canne perd de sa qualité. Il ne peut donc s'écouler plus de 36 heures entre la récolte et le traitement industriel. Les deux tiers des entreprises nationales sont liées à l'exploitation de la canne. L'usine de la Romana fournit un sucre brut, premier produit d'exportation du pays. La Romana a vécu des revenus du sucre jusqu'à l'effondrement des cours mondiaux dans les années 1970. La chute des prix a obligé les Dominicains à se reconvertir. Ils ont donc valorisé leur paysage. Ainsi, la rivière Chavón, qui ne charriait que les barges de canne, a ouvert aux visiteurs un accès à l'arrière-pays. Le réalisateur américain Francis Ford Coppola vint y tourner des scènes du mémorable Apocalypse Now. Et on en rajouta même. Sur les rives escarpées de la rivière, une compagnie sucrière américaine finança la reconstitution d'un village italien du XVIe siècle, Altos de Chavón. L'opération fut menée sous la direction d'un décorateur de cinéma qui travailla avec beaucoup de minutie et un sens pointu du détail. L'amphithéâtre seul suffit à faire recette. Il a été rempli à plusieurs reprises par les admirateurs de chanteurs à succès, de Frank Sinatra
à Julio Iglesias. La région doit sa réputation mondiale à un fabuleux ensemble résidentiel, Casa de Campo, l'un des plus luxueux du pays. L'endroit est tellement bien protégé que Michael Jackson lui-même a choisi de s'y marier. Ici, le seul véhicule autorisé est le kart de golf. Et la clientèle, en majorité américaine, s'adonne à son sport favori sur quelques-uns des plus beaux parcours des Caraïbes. La Floride n'est qu'à une heure d'avion. Et New York, à peine plus loin, en jet privé. Au large de Bayahibe, Bay, quelques Formule 1 de la mer jouissent d'une retraite bien méritée, bercée par les alizés. Après s'être illustré dans les traversées océaniques, les catamarans entraînent aujourd'hui les vacanciers dans leur sillage. L'île Saona fait partie du parc national de l'Est et s'étire mollement le long du sable fin. On y compte bien plus de palmiers que d'habitants, pêcheurs pour la plupart. Le taux de mortalité sur l'île est le plus faible du pays, ce qui s'explique officiellement par l'importance du poisson dans l'alimentation. Mais il est certain que la vie paisible y est pour quelque chose. Même les oiseaux migrateurs apprécient la sérénité de Saona. De toute évidence, le paradis terrestre n'est pas loin. Avec Saona, l'île Catalina fut l'ultime refuge des Indiens chassés par les Espagnols. Ils aboutiront ici au terme d'une longue fuite. Pour leur civilisation, les plages immenses seront synonymes de crépuscule. À l'intérieur des terres orientales, Higüey a été fondée au XVIe siècle et a toujours témoigné d'une grande ferveur pour la Vierge Marie. Son étonnante cathédrale a été érigée par deux architectes français qui l'ont conçue en béton armé pour résister aux cyclones. Dans l'ancienne langue des Indiens Taïno, Higüey signifie soleil. À 40 km de la mer et sans brise apaisante, la chaleur ici devient vite écrasante. La température élevée et la forte humidité qui peut atteindre 80% stimulent la végétation. Les piquets des clôtures ont même une deuxième vie. Plus que tout autre végétal, le palmier domine l'horizon de la République dominicaine. Plusieurs centaines d'espèces, utiles pour la plupart, apportent au pays bien davantage qu'un simple décor de carte postale. Les arbres fruitiers font preuve ici d'une vitalité sans pareille. Du calebassier qui ploie sous les fruits de 10 kilos, aux oranges par myriades, en passant par les baies de caféiers qui sèchent au soleil, le sol dominicain n'est pas avare de bienfaits. Thank you.
À la pointe est de l'île, les eaux de l'océan Atlantique s'éclaircissent et virent au bleu translucide de la mer des Caraïbes. La cordillère orientale fait le gros dos dans le lointain. Elle accroche les nuages et limite le regard vers le nord. Tout au long des plages, les cocotiers par milliers ébouriffent le littoral. Si la côte des cocotiers a mérité son nom, elle n'a pas non plus volé son succès. Ses charmes sont en effet à la hauteur de ses ambitions touristiques. Tous les ingrédients sont réunis ici pour faire du tourisme la première source de devises étrangères. À Punta Cana, les Dominicains ont réussi à développer une infrastructure hôtelière qui, malgré sa taille, s'efforce de respecter le cadre naturel de l'endroit. Le décor idyllique invite à une infinité d'activités de loisirs nautiques ou même aériens. Mais la station favorise aussi la découverte et les rencontres insolites. Le parc Manati met en valeur plusieurs représentants de la riche faune dominicaine. L'iguane au sang froid, aussi indolent qu'inoffensif. Le flamant rose, inséparable de ses congénères. Et, complètement inconnu ailleurs, le perroquet à roulettes. Beaucoup plus surprenant encore, un spectacle équestre de très haut niveau rassemble des cavaliers venus du monde entier. Le cheval a été introduit dans le Nouveau Monde par les Espagnols. À l'opposé des longues plages du sud-est, à l'ouest de la capitale, la République dominicaine abandonne une certaine uniformité pour adopter un profil nettement plus en relief et une palette de paysages beaucoup plus diversifiée. La terre n'a rien perdu de sa fertilité et la configuration des lieux n'empêche pas de la cultiver et d'en tirer un rendement maximum. Les contrastes ne manquent pas. On passe sans transition d'un vert bocage à une épaisse forêt de candélabres épineux. Les massifs les plus touffus cèdent la place aux collines parfaitement chauves et les steppes semi-désertiques font parfois l'exception d'une oasis avant de finir en dune saharienne. Mais ici, la mer n'est jamais bien loin. Las Salinas a hérité son nom de saline réputée. On raconte que les belles indiennes descendaient de la montagne pour voler du sel et repartaient avec des hommes. Une autre facette encore de la nature dominicaine, la forêt tropicale. Ici, les arbres doivent jouer des coudes pour gagner leur coin de ciel. Un hectare de cette forêt peut compter 200 espèces d'arbres, alors que sous nos latitudes, la même surface en contient rarement plus de 3. Les espèces végétales foisonnent et on en découvre régulièrement de nouvelles. En longeant la mer entre Barahona et Pedernales,
Nouveau changement de décor pour la côte qui soulève d'éclatantes falaises calcaires. À l'ouest de Barahona, le sol se couvre de sisal, une plante grasse dont on extrait une fibre textile. Quant au sous-sol, il regorge de bauxite, le minerai de l'aluminium. À certains endroits, la terre prend l'aspect torturé d'une écorce que l'évaporation fissure en profondeur. Les lagunes sont le refuge des flamants roses et d'innombrables espèces d'oiseaux. Le lac Enriquillo est le plus grand lac des Caraïbes. L'eau y est trois fois plus salée que la mer, toute proche. Malgré ce phénomène, le lac recèle une étonnante vie animale. Pour le crocodile américain, une espèce en voie de disparition, il constitue une véritable réserve naturelle. Une dizaine d'espèces d'oiseaux animent le lac Enriquillo, dont une des particularités est de se trouver à 40 mètres sous le niveau de la mer. Au centre du lac, une île, une plage, une flore étrange. Soudain, un animal en dehors du temps, appartenant à l'une des espèces les plus difficiles à observer en milieu naturel, l'iguane rhinocéros. L'île Cabritos forme à elle seule un parc national qui protège ce reptile à l'allure préhistorique, prédateur non redouté, puisqu'il se contente d'une alimentation exclusivement végétarienne. En revanche, sa chair était appréciée des Indiens. Les Indiens Taïnos, apparentés aux Arawaks, ont laissé ici des traces gravées dans la roche corallienne. Les archéologues leur attribuent ces pétroglyphes parce que les têtes gravées possèdent un front très aplati, une déformation crânienne typique de cette ethnie. Dans les campagnes, l'habitat n'a pas beaucoup changé depuis l'arrivée des premiers Espagnols, qui avaient été frappés par l'exiguïté des cases limitées à une seule pièce. C'est en raison du manque d'espace intérieur et de la chaleur que la plupart des activités s'exercent à l'air libre, au bord de la route, et le fournisseur ne peut rien cacher aux consommateurs. La taille du mobilier s'adapte, elle aussi, à l'espace disponible. Parfois, il faut monter sur une chaise pour suivre les fameux combats de coqs qui animent les galleras, les arènes des villages de novembre à mai.
les cuisses plumées pour accélérer les gestes et dégager le terrible éperon qui peut décapiter l'adversaire d'un seul coup, le teigneux roi de la basse-cour fait monter les enjeux. Madame, bonsoir, dans l'édition Gazette Créole, jeudi mardi 20 janvier 98. À l'ouest du pays, on se heurte à la frontière avec Haïti. Une frontière que franchissent les travailleurs saisonniers haïtiens, notamment pendant la récolte de la canne à sucre. La cordillère centrale étire l'épine dorsale du pays où le pic Duarte culmine à plus de 3000 mètres. Ce massif montagneux domine toutes les Caraïbes, mais le climat tropical modère les effets de son altitude. Les cultures enrichissent les vallées et les arbres abandonnent rarement la partie. Seul désavantage, la cordillère centrale dresse un obstacle de taille sur la route entre le sud et le nord. Le mode de vie est sommaire dans la montagne. Il faut souvent lutter contre les éléments et les ressources sont limitées. Certaines espèces végétales méditerranéennes ont été acclimatées ici, mais pas toutes. Les Espagnols n'amenèrent jamais la vigne ou l'olivier, par exemple, parce que les conquistadors craignaient que les productions locales ne viennent à concurrencer celles de leur mère patrie. Au sommet de la cordillère centrale, l'illusion est parfaite. Le paysage reproduit à s'y méprendre celui des contreforts alpins ou pyrénéens. Pourtant, il n'y a pas de doute. Nous sommes en République dominicaine. Une pyramide éclatée désigne le centre géographique du pays. Comme partout en Amérique latine, les habitants manifestent volontiers leur joie de vivre et leur démonstration se marie souvent avec l'expression d'une foi profonde. Plus de 95% des Dominicains affirment qu'ils sont catholiques. Et la musique doit contribuer largement aux vocations. Le tiers du territoire national est consacré à l'agriculture qui occupe même les pentes les plus escarpées. L'élevage a été introduit par les Espagnols et le bétail a tellement prospéré au XVIe siècle qu'il attirait les boucaniers, ces pirates qui faisaient sécher la viande à la fumée et tanner les peaux. Le café n'est arrivé ici qu'au XVIIIe siècle. La importance du café en notre pays, o sea, para la exportación. L'importance réelle du café dans notre pays, c'est l'exportation. Seleccionamos la planta. La planta que ici, la sélection des plantes a lieu dès le début. Nous faisons une sélection déjà avant la plantation. Résultat, ce qui pousse, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous faisons très attention. Nous sommes extrêmement rigoureux en ce qui concerne le contrôle de qualité. Nous vendons notre meilleure qualité surtout en Europe, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Au cœur de la cordillère centrale, Jarabacoa bénéficie d'un climat tempéré et d'un environnement propice aux activités sportives axées sur la découverte de la nature. La forte déclivité favorise particulièrement la pratique du rafting. Au début, ce n'est pas trop dur. Mais après, ça se complique.
La vallée de Cibao traverse une partie du pays en diagonale. Au cœur de la vallée, La Vega, une ville fondée dès le 15e siècle. Une cathédrale bien plus récente. La prospérité de la ville entretient la joie de vivre qui éclate sur les murs et explose dans les rires. Comme dans toutes les Caraïbes, le carnaval enflamme le mois de février de rythmes endiablés. Le carnaval de la Vega est réputé pour ses masques de diables géants. Ils patrouillent dans les rues pour punir les pêcheurs et ne se font pas prier. La terre fertile de la Vega lui a valu le surnom de Jardin des Antilles. Plusieurs espèces en témoignent, comme le cacaoyer, dont les amandes servaient de monnaie d'échange. Ou comme le riz, dont les variétés locales et le rendement permettent 2 voire 3 récoltes par an. Et le Jardin des Antilles prend parfois des allures de jardin asiatique. L'embargo américain sur Cuba a favorisé le tabac dominicain et le pays a pris la première place parmi les producteurs mondiaux de cigares roulés à la main. Quand en el año 1492, Cristóbal Colón visitó por primera vez. C'est depuis 1492, date à laquelle Christophe Colomb découvrit ces terres qu'on appelle celle-ci le Nouveau Monde. Les membres de l'expédition de Colomb vinrent ici avec des graines rouges que l'on mâchait longuement dans la bouche. C'était des graines de tabac. Aujourd'hui, en pesos, le tabac et le cigare représentent une des affaires les plus prospères et les plus dynamiques du pays. En République dominicaine, actuellement, c'est environ 300 000 familles qui vivent de l'activité du tabac, directement ou indirectement. Nous arrivons à faire un tabac de première qualité qui rivalise avec les meilleurs du monde. Nous fabriquons les meilleurs cigares pour que, quand on les goûte, on inhale quelque chose d'authentique. Quelque chose fait avec beaucoup d'amour et de qualité optimum. Une autoroute assure la liaison entre Santo Domingo et Santiago. La richesse et la situation stratégique de Santiago l'ont souvent exposée à la convoitise des Haïtiens. Plusieurs guerres l'ont embrasée, de plus, un tremblement de terre l'a ravagée au XVIe siècle. On comprend l'attachement des citoyens à leur ville, qui a donné au pays la plupart de ses présidents, dictateurs ou républicains, inhumés côte à côte dans la cathédrale. Le marché de Santiago roule sur l'or. La ville jouit en effet des principales ressources du pays et rivalise avec la capitale qu'elle suit de près pour son potentiel humain et économique. Au nord-ouest,
Les rivages de l'océan Atlantique apparaissent, abrités derrière la cordillère septentrionale. En provenance de Cuba, c'est ici que Christophe Colomb débarqua avec ses troupes. Le navigateur aborda l'île par l'extrême nord en échouant son vaisseau amiral, la Santa Maria, sur des récifs entre les villes actuelles de Monte Cristi et Puerto Plata. À vol d'oiseau, une vingtaine de kilomètres seulement sépare la frontière haïtienne de Monte Cristi, posée comme un pion sur le damier des Salines. Plus à l'est, Puerto Plata occupe un site magnifique battu par la houle de l'Atlantique. Avec les débris de la Santa Maria, sa caravelle naufragée, Christophe Colomb érigea un camp retranché pour assurer ses arrières. Ses occupants furent massacrés par les Indiens. Puerto Plata conserve un grand nombre de maisons élégantes, typiques de l'architecture créole du siècle dernier et nourries d'influences coloniales multiples. Dans un bâtiment victorien, le musée de l'ambre rassemble plusieurs bulles de résine fossile dans laquelle des insectes préhistoriques ont été figés à jamais. Cette curiosité a servi de point de départ au film Jurassic Park de Steven Spielberg. Seul alcool extrait de la sève d'une plante, le rhum apporte un excellent débouché à la canne à sucre. Après un séjour en fût de chêne pour prendre sa couleur ambrée, 95% de la production embouteillée ici est écoulée par le marché local. De quoi faire tourner la tête aux préposés qui mènent un train d'enfer pour répondre à la demande. Mais pour conduire, il vaut mieux éviter le rhum et les queues de poisson. Playa Dorada. Un environnement de rêve pour un vaste complexe hôtelier en harmonie parfaite avec la nature. La ville de Sosua a été fondée pendant la Deuxième Guerre par des Juifs qui fuyaient l'Europe. C'est le dictateur Trujillo qui les avait invités à s'y installer, espérant ainsi calmer la communauté internationale, indignée par le massacre de milliers d'Haïtiens. En fin d'après-midi, quand le vent se lève, Cabarete devient un des temples mondiaux de la planche à voile. La estación que rompió la marca del número uno. Rio San Juan se détache sur le fond d'une côte de plus en plus sauvage. En contact avec l'océan, la lagune Gris-Gris entretient une flore étrange propre à la mangrove où les palétuviers sur des racines aériennes dressent leur silhouette chimérique. À Playa Grande, la civilisation des loisirs épouse les formes du paysage et se fond dans une nature encore intacte. La côte atlantique, dense et secrète, servit souvent de refuge aux pirates. Les grandes puissances du XVIe siècle, comme l'Angleterre, la Hollande ou la France, étaient tenues par l'Espagne à l'écart des richesses de la région. Les marines ennemies engagèrent des flibustiers pour grappiller quelques miettes des richesses embarquées sur les bateaux espagnols, en écumant les mers.
À l'époque, l'association des Frères de la Côte regroupait une majorité de flibustiers français. Lorsque les Espagnols commencèrent à se désintéresser de l'île, les pirates français s'y implantèrent peu à peu. La France doit donc au Forban d'avoir mis le pied ici. Comme un bouchon sur l'océan hispanique, Las Terenas donne quelques signes insolites d'une présence française, beaucoup plus récente que celle des Frères de la Côte. Elle remonte à une vingtaine d'années, avec l'arrivée de quelques Savoyards qui y ont fait souche. Aujourd'hui, les races se sont mélangées, et le contraste blanc-noir n'existe plus qu'au domino. Au bout de la côte atlantique, deux sites quasiment vierges marquent l'extrémité nord-est de l'île. El Rincón et Las Galleras. Las Galleras a vu se construire un embryon d'infrastructures touristiques, mais la vie, proche de la nature, gardera longtemps encore le dessus. La péninsule de Samaná s'enfonce de 60 km dans l'océan. La population dominicaine est jeune et dynamique. Selon les derniers recensements, presque la moitié n'a pas 15 ans. La télévision dans les cases et le développement des clubs vidéo n'empêchent pas les Dominicains d'atteindre un taux de natalité parmi les plus élevés des Caraïbes. Pour nourrir toutes ces bouches, les ressources naturelles, heureusement, ne manquent pas et le nombre de jeunes est le meilleur atout du sport national, le baseball, qui fournit même de bons éléments à la puissante ligue américaine. La péninsule de Samaná n'est pas d'un accès facile. Avec sa végétation luxuriante, c'est un des endroits les plus sauvages de la République dominicaine qui réserve beaucoup de surprises. Ainsi, la cascade El Limón jette son voile à 50 mètres de hauteur. Lors de l'occupation française, fin 18e, début 19e, la position stratégique de la péninsule n'échappa nullement à Napoléon puisqu'il envisagea un temps d'y installer la future capitale de l'île. À l'abri d'une baie splendide, la ville de Samaná avait été choisie pour remplir cette mission. Elle devait être rebaptisée Fort Napoléon. Mais la coalition entre l'Espagne et l'Angleterre mit fin à l'aventure française dans la région. Pendant les mois d'hiver, la baie de Samaná connaît une animation inhabituelle. Des dizaines d'embarcations prennent la mer pour une expédition où les frêles esquifs ne sont pas recommandés. Le point d'attraction ? Un animal énorme que l'on ne peut approcher ou observer qu'en respectant certaines règles, la plus active et la plus spectaculaire de toutes les baleines, la baleine à bosse. Les baleines femelles viennent ici car elles recherchent des eaux chaudes dans lesquelles elles se sentent en sécurité pour mettre au monde leurs petits. Les bébés baleines ne pourraient sans doute pas survivre dans des eaux plus froides.
Un millier de baleines à bosse descendent de l'Atlantique Nord pour prendre ici leur quartier d'hiver. Elles sont plus petites que les baleines bleues et leur espèce est protégée depuis 30 ans. Pendant plusieurs semaines, les grands mammifères cessent de s'alimenter et vivent sur leurs énormes réserves. Les femelles mettent bas après une gestation d'un an, alors que par leurs cabrioles aériennes, les mâles poursuivent leur danse de séduction. En traversant la baie de Samana, on atteint le parc national Los Aitises et ses formations rocheuses à fleur d'eau. Plusieurs dizaines de blocs calcaires rongés par l'eau de mer abritent une faune ailée d'une exceptionnelle diversité. Les pélicans ont mis au point une technique de pêche collective particulièrement efficace. Ils battent des ailes pour attirer leur proie en eau peu profonde. Ensuite, comme une escadrille d'avions de chasse, ils plongent en piqué. Sur la côte, avant d'accéder à la terre ferme, la mangrove. En raison de l'eau salée, les végétaux prennent appui sur leurs racines pour s'ancrer dans la vase et résister aux marées. Les racines servent aussi d'organes respiratoires dans un sol très pauvre en oxygène. Tel un gruyère minéral, le sol est carrié de grottes imprévisibles. Le parc Los Aitises est le résultat spectaculaire de l'immersion puis de l'émersion successive d'une vaste zone côtière. Les mouvements de la terre et l'érosion marine ont isolé et modelé des centaines de collines quasi inaccessibles qui moutonnent à perte de vue. La République dominicaine est très attachée à son patrimoine naturel. 16 parcs nationaux et 7 réserves naturelles en témoignent, et l'urbanisation ne menace pas ce vrai capital. La nature exubérante du pays et de sa population s'exprime sans réserve au moment du carnaval. Toutes les composantes de la société dominicaine défilent alors dans une parade délirante. Tout ce qui fait le tempérament du pays, l'abondance végétale, la culture indienne, la conquête espagnole et la religion catholique adoptent alors le tempo de l'Alizé, le rythme du merengue.